Aimer Dieu et son prochain.
Saint Paul nous dit une réflexion absolument grave et importante. Si tu prétends aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, ben, t'es un menteur. C'est pas vrai, ça, que t'aimes Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Ça s'égale. Lorsque j'aime mon prochain, j'aime Dieu. Et si je prétends aimer Dieu, c'est que j'aime mon prochain. Le grand trésor que le Seigneur nous propose ce matin, c'est celui-là, son royaume, l'amour de Dieu et du prochain. Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser pour aimer notre prochain? Que sommes-nous prêts à abandonner de nous-mêmes pour aimer notre prochain? Est-ce que aimer notre prochain, ça a le plus de valeur que nous-mêmes? À nos yeux. Alors, c'est une grande question existentielle. Hein? Mais je vous avoue que, en vous disant tout ça, je ne me pense pas meilleur que vous tous en disant « Oh oui, moi ça, je suis capable de faire ça. Aimer mon prochain à coup sûr. Ça m'arrive aussi d'avoir des faiblesses là-dedans, là, puis de me retenir dans l'amour du prochain parce que je trouve ça trop difficile de l'aimer. Ça arrive, ça. Mais qu'est-ce que je suis prêt à laisser pour reprendre en main l'amour du prochain dans ma vie? Si j'ai des difficultés à l'aimer, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui m'accroche. Et je dois le laisser. Qu'est-ce qui m'accroche? Qui m'empêche d'aimer mon prochain? Si je n'abandonne pas ça, je ne peux pas arriver ici d'un bon dimanche matin pour vous dire « j'aime Dieu ». Non, parce que je dois aimer mon prochain. Il faut que j'abandonne. Et c'est là le grand défi que Jésus nous lance ce matin. Un grand défi de conversion. De nous abandonner nous-mêmes à l'amour du prochain. Afin d'acquérir ce merveilleux trésor qu'est l'amour de Dieu. Amen. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne des siècles et des siècles. Amen. Amen. Tout est vers la lumière, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Grâce à Dieu.